Eh bien salut les amis, c'est Siani948, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy X HD Remaster pour un nouvel épisode des quêtes secondaires. Cette fois-ci on va battre Belgamine jusqu'à la fin pour qu'elle nous donne déjà quelque chose pour avoir l'arme de Yuna. Et ensuite, on va aller un peu voir toutes les armes secondaires, les amis. Alors, Yuna, elle est là. De toute façon, c'est elle qui va combattre. On est prêt. On a fait tout ce qu'il fallait, hein, pour pouvoir faire un combat assez simple. Alors, on relève le défi. On va prendre Yojimbo, parce que c'est celle-là qu'on doit aller combattre. Et on va attendre qu'elle les invoque. Hop, bon, voilà, désolé, j'ai défoncé, j'ai fait du bruit dans le casque. Je m'excuse, je corrigerai ça à l'enregistrement. Alors, Yuna, on va lui faire faire l'overdrive. Non, on va lui faire faire invoquer. On va prendre Anima. On va vous faire voir un peu ce qu'elle vaut. Elle est super puissante, tout simplement. Alors là, elle n'est pas du tout améliorée. Bien sûr, vous verrez après. Parce que moi, j'ai continué. Hein, vous avez vu que j'ai fait des sauvegardes dans la vidéo d'avant. Donc, j'ai énormément continué de travailler pour améliorer tous les persos. Pour que Sin soit assez simple à battre. Et puis qu'on se fasse une petite fin tranquillou. Où on voit que des belles cinématiques. Et qu'on se prend pas la tête à défoncer les monstres. Donc c'est assez simple. Donc vous voyez déjà elle fait 184 000 là en dégâts. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Et c'est que le début. Quand votre chimère fait 99 999 de dégâts à chaque coup, puisqu'elle est à fond dans ses compétences, elle fait super mal. Assez simple donc si vous gérez bien votre combat. Alors on va faire de même avec la prochaine. Donc en gros, si tu as des tailles à te mesurer à Sin, hein, tu devrais pouvoir. Hop, on relève le défi. On va se faire Anima cette fois-ci. L'avant-dernière des chimères à battre contre Belgemin. Assez simple aussi, assez simple aussi à faire puisqu'on va, vous allez voir. Utiliser l'overdrive de Yuna avec. Comment il s'appelle? Clac. Très belle entrance, je la laisse. Et puis je retrouverai le nom de la chimère que je vais utiliser quand je l'invoquerai, tout simplement. Donc on va invoquer Valfort, les amis. Hop, allez. Clac. Alors, on fait Osmose avec Valfort, très puissante. Vous le savez déjà. Hop, on attend que ça passe. Ça sera très très bien. Ça sera avec Echo, hein, celui qu'on a eu au tout début aussi quand on était à Bazib. Le chien qui l'avait dans la tronche, dans la gueule, qui nous l'a filé. Il l'avait trouvé en fait. Alors, on attaque. Hop, on lui fait 7000. Hop, il esquive en plus. Alors, ça, c'est magnifique. On réattaque, hein. Voilà. Fini. Fini la chimère. Fini, fini. Donc, assez simple à vaincre aussi. Arrête, ça suffit. Donc on va se retrouver juste après, je ne vais pas couper, je vais faire comme d'habitude. Hein. Tu as vraiment fait des progrès et tout et tout et tout. Voilà, donc elle nous donne des sources vitales en plus, elle nous donne des petits objets sympas à avoir. Hein, alors il me fait pause mais c'est pas ça que je veux, voilà. C'est un petit reboot tout simplement. C'est pas compliqué à demander. Donc
On fait un petit reboot. On va prendre la cinquième, la sixième save. La sixième save va nous permettre de battre la dernière chimère et ensuite, une fois qu'on a battu la dernière chimère, on s'attaque aux armes légendaires, les amis. Alors, pour les armes légendaires, je sais pas si je les aurais déjà toutes eues ou si c'est juste pour vous faire voir où aller, bah, tout simplement les mettre dans les encoches, mais de toute façon, je vous parlerai un peu de comment avoir telle arme légendaire, etc. On va faire start pour passer cette petite, ces petits écritures, ces petites écritures. Hop, hop, c'est parti. On y retourne, les amis. Ah d'accord, il y a du pétard. Ok. Alors j'espère que vous l'entendrez pas dans la vidéo, les amis. Sinon, c'est il y a un feu d'artifice, hein, tout simplement. C'est ça que c'est de ça que je parle. Et on l'entend. Enfin, moi je l'entends. Après, je ne sais pas si dans le micro on l'entend. Au pire, ce n'est pas grave. Ça fait des petits pac-pac. Ce n'est pas grave. Alors, on relève le défi, on reprend Alima. Autant pour moi, donc on va faire ça deux fois, c'est pas grave. De toute façon, c'était assez simple, hein, donc ce n'est pas un souci. On se fait ça tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Ça fait un double combat, les amis. Ça fait un double combat. Bon, on va pas changer une équipe qui fait match nul, hein. On va reprendre Anima. On va reprendre. Pardon! On va reprendre Valfort. Valfort qui est presque à fond. Bon, on va le choisir. Et je vais aller ouvrir à mon chat, puisqu'il gratte encore une fois. Désolé, les amis. Bon, nous revoilà les amis. Putain, relou les chats, relou. N'en prenez surtout pas, hein, jamais de la vie parce que c'est trop casse-couille. Ça ne sait pas ce que ça veut. Elle vient juste de sortir, elle veut re-rentrer déjà. C'est hallucinant. Prenez des poissons, au moins ils sont dans leur aquarium, tranquille. Ils sont pépères, ils cassent pas la bite. La bête. La bête. Bon. Comme tout à l'heure, de toute façon, ça va être assez simple. Et puis en plus, il me redonne un autre overdrive. Donc ça va être d'autant plus simple, les amis. Puisque avec l'autre overdrive, on va les niquer tranquillement. Voilà. Allez, fini. Alors, pour la suite, donc, dites-moi si vous voulez voir un peu bah, la suite, donc FF10-2. En let's play, marquez-le dans les commentaires. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de vidéos, hein, que ce soit de Final Fantasy ou d'autres jeux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, à ma chaîne Twitch, à mon Twitter. Il y a tous les liens dans la description pour me suivre. Bah, ça va me faire déjà assez plaisir. Alors on enlève le défi cette fois-ci, hein, encore. Et on va par contre faire les sœurs Magus cette fois-ci. Donc comme je disais, n'hésitez pas à vous abonner à tous les liens dans la description. Tout est dans la description. Pour me suivre, je suis très actif sur YouTube. Je fais pas mal de trucs. J'ai un serveur Minecraft pour ceux que ça intéresse. Donc allez voir les vidéos Minecraft et puis vous regarderez que dans les épisodes 8, 9, 10 et tous les autres, et ben vous avez l'adresse du serveur, hein, pour vous connecter dessus. Il n'est pas connecté tout le temps, mais il est quand même connecté de temps en temps. Et si vous vous mettez sur Twitter ou sur Facebook, hein, sur mon Twitter ou mon Facebook, que vous likez ou que vous followez, et ben vous aurez toutes les petites infos comme quoi le serveur ouvre
quand, à quelle heure, s'il est ouvert à l'instant ou s'il n'est pas ouvert. Enfin voilà. Voilà quoi, voilà. Sur ce, on va faire ça tranquillement encore, hein, petite attaque assez simple encore. Sur les sœurs Magus. Alors, deux overkills déjà. Donc elle, elle se met blindage, mais on va la battre relativement vite. Parce que vous voyez qu'elle est rabâchée, donc ça veut dire qu'elle va mourir. Et voilà, c'est fini. Donc pour battre Belgamine, c'est assez simple. Il suffit quand même d'être assez bien entraîné au niveau des personnages. Donc voilà. Et une fois que vous êtes assez bien entraîné, eh ben, vous pouvez les battre assez facilement. Ensuite, elle nous donne... de Magic Oracle, bon, ça on s'en fout un peu, on en a plein après. Ça me paraît difficile, donc voilà. En gros, on a été trop puissant, quoi. On est plus puissant que son père dans le passé. Et là, eh ben, on l'envoie dans l'au-delà. Il faut le faire, envoyer dans l'au-delà. Hein. Faut pas faire pas encore, sinon on n'a pas. Le SCO ou je ne sais plus quoi, bah, qui permet d'avoir tout simplement l'arme légendaire Ayuna. Ensuite, on va faire une petite, retour en arrière. Donc là, on a le SCO lunaire, hein, vous voyez. Donc on va faire un petit retour en arrière, les amis. Alors, allez, voilà. Et on va aller sur ma partie récente. Ma partie récente qui est très évoluée, hein, vous allez pouvoir le voir. Normalement, je suis dans les ruines d'Omega. Alors ça, c'est un site que je vous conseille énormément pour faire du niveau, pour monter vos niveaux à fond, pour gagner énormément d'argent de guilds. Je vous conseille d'aller ici. Au début, c'est assez difficile de gagner, ça, je vous l'accorde. Mais par la suite, vous allez voir que vous allez monter les niveaux comme jamais. Et donc, bah, on connaît la suite, hein, après vous battez Sin assez rapidement. Alors on fait start. Désolé pour les petits, ça m'énerve quand j'entends ça dans les vidéos et j'ai fait un peu la même là. Alors, charger une partie les amis. Donc, la sauvegarde 7, hein, c'est... pour vous faire une vidéo sur le village Pampa, en gros vous allez récupérer là-bas l'arme des 7 astres de Riku, mais je la ferai un petit peu après. D'abord on va se parler justement des armes légendaires. Alors je vais ouvrir le bouquin parce que je ne me rappelle plus trop tout ce qu'il y a à faire pour avoir les armes légendaires, mais c'est pas compliqué. Alors, les armes des 7 astres. Alors, voilà. Donc... là, on est ici. Alors, on était ici pourquoi déjà? Rappelez-moi, j'étais où là? Ok, alors sûrement que j'allais chercher... sûrement que j'allais chercher des sphères, je pense, objets. Parce que comme je passe les niveaux assez vite, hein, je vous ai dit juste avant, hein, je passe vraiment les niveaux super vite. Et eh ben les sphères de physique et tout, voilà, vous voyez, sphères compétences, il n'y en a plus. Donc je venais sûrement chercher ça, hein, sphère agilité non plus. Donc c'est sûrement ça que je venais chercher les amis. Bref, alors, pour le moment, on recherche alors les équipements. Donc la, l'arme légendaire de Riku, c'est le God End. Donc on l'a en faisant les villages Pampa. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en faisant les villages de Pampa. Alors, alors non. Donc pour obtenir la l'arme légendaire de Riku, il faut aller sur l'emplacement secret de la route de Mikorok. De Mikorok, ouais c'est ça. Donc c'est un petit code à noter dans le quand vous êtes à bord du vaisseau. Le code, c'est tout simplement God Hand. Donc G majuscule OD minuscule, hein, O et D minuscule. Plus loin, Hand, donc H majuscule et AND en minuscule. Alors
Respectez bien les majuscules, minuscules, espaces, etc. Puisque bah si vous respectez pas ça, eh ben ça ne marchera tout simplement pas. Ensuite, pour avoir le symbole de Vénus, il se trouve dans un coffre dans les sables mouvants. Donc ça, on l'a eu dans le let's play, hein, on l'a vu dans le let's play. Et pour avoir le Sceau de Vénus, il faut faire le mini-jeu des villages Pampa. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc je vous ferai la vidéo un petit peu plus loin, les amis. Ensuite, pour avoir l'arme légendaire, donc vous voyez que j'ai aussi fait des boucliers entre guillemets légendaires. Donc ça, c'est à faire vous-même. Hein. Vous pouvez pas les avoir en les trouvant quelque part. Donc c'est à faire vous-même. Alors, l'arme légendaire de Tidus qui est Ultima. Alors pour augmenter, je me sers de celle-là, Ascalon. Donc c'est une arme que j'ai faite moi-même, mais vous pouvez en avoir une en faisant des combats, il me semble, ou en faisant une petite quête secondaire qui vous permet d'avoir PC x2 uniquement. Donc elle a juste PC x2. Moi, ça me permet d'avoir PC x2 riposte et je mettrai sûrement dégâts extra et autre chose, mais elle est quand même moins puissante que Ultima. Donc si vous devez faire des combats assez durs, faites vraiment les combats avec Ultima. Donc pour l'avoir, c'est simple. Il faut battre la dresseuse des chocobos à la course. Donc ça c'est relativement simple à faire. Ensuite, vous vous dirigez tout en haut à gauche de la pleine félicité. Vous avez un petit passage une fois que vous avez battu la dame, hein, la dresseuse des chocobos. Elle vous permet en fait de laisser l'accès libre à ce petit passage en haut à gauche de la pleine félicité. Vous pouvez aller récupérer ici l'arme d'Ultima. Ensuite, pour avoir le symbole solaire, donc on l'a en battant Yunalesca au dôme de Yevon. Donc il faut faire bien gaffe quand on l'a battu à rechercher un coffre qu'il y a derrière elle quand on la bat aux escaliers, hein, tout simplement. Et bah, elle est quand même pas mal, hein, la dégâts extra, overdrive x3, contre-attaque, représailles. Alors contre-attaque, c'est bien en gros quand vous prenez une attaque physique d'un ennemi, bah lui il va réattaquer directement par derrière. Et représailles, c'est pour les attaques magiques. Donc il fait la même, mais sur une attaque magique. Et pour le dernier Sceau, le Sceau solaire, il faut bah, faire le temps de 0-0-0 contre la dresseuse de Chocobo à la course. Alors c'est relativement difficile. Si vous voulez voir un peu comment faire une petite astuce, bah, dites-le moi, je la ferai. Ensuite, le Nirvana de Yuna. Alors, cette arme, elle est simple à avoir. Hop. 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 Nirvana, il est là. Donc, dégâts extra, overdrive x3, PC x2 et MP1. Alors, MP1, c'est hyper utile puisque elle va utiliser beaucoup de magie. Et en gros, toutes les magies qu'elle peut utiliser, ils seront que à 1 MP de coup, donc c'est très très bah, c'est très très important de l'avoir. Alors en gros on doit récupérer les 9 monstres de la pleine félicité, donc ça on l'avait fait assez facilement, rappelez-vous. Ensuite le coffre, pour l'ouvrir il vous faut bah merde, je tape dans le micro là. Il vous faut le miroir des 7 astres, donc on l'a fait dans la vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous dis tout simplement d'aller voir la vidéo, comme ça vous voyez comment faire. Ensuite, donc le symbole lunaire, il se trouve dans un coffre sur le rivage de l'île de Baside, près de là où Tidus a échoué. Donc ça, normalement, on l'a vu dans le tout début du let's play. Et le Sceau lunaire. Il faut battre tout simplement toutes les chimères de Belgamine. On vient juste de le voir, les amis. Alors, on va continuer avec le World Champion de Waka, un petit peu plus difficile à avoir. Donc, équipement, clac-clac, hop, hop, voilà. Donc, le World Champion de Waka, qui est ici, avec dégâts extra, overdrive x3, PC x2 et contre-attaque. Donc une bonne arme aussi, hein.
Alors, en gros, on doit faire quasiment que du match de Blitzball, c'est pas compliqué. En gros, on gagne 5 matchs de Blitzball pour gagner World Champion, l'arme légendaire de Waka. Donc, nous, c'était assez simple de la faire, puisqu'on a fait pas mal de... Merde, je ne trouve plus mes mots, les amis, désolé. On a fait pas mal de matchs de Blitzball, donc c'était assez simple à faire. Ensuite, le symbole de Mercure, on le trouve dans le vestiaire des Orochs à Lucca. Donc, faut vous téléporter avec votre vaisseau à Lucca, tout simplement, et aller chercher dans le vestiaire des Basides Orochs le symbole de Mercure pour le Sceau de Mercure. C'est une récompense. C'est une récompense des ligues de Blitzball. Donc en gros, faut faire des ligues de Blitzball, remporter tous les overdrive de Waka. Et une fois que vous les avez tous remportés, vous refaites une ligue. Et bah là, vous avez tout simplement normalement le symbole de Mercure à gagner. Et il faudra que vous gagniez la ligue, tout simplement. Alors, on attaque maintenant par Lulu. Donc, c'est le chevalier oignon, les amis. Super comme nom, hein, c'est sympa. Donc, pour le chevalier oignon de Lulu, c'est là où je vous ai dit dans la vidéo précédente. Pour acquérir l'âme légendaire de Lulu, le chevalier oignon, montez à bord du vaisseau et allez au temple de Bash, puis plongez sous l'eau, nagez vers les portes au nord et battez. Voilà, donc voilà, il faut bien battre le monstre, hein. Ensuite, on fouille la partie sud du bassin, là où j'étais, hein. Exactement là où j'étais. Et on retrouve le coffre caché qui nous donne l'arme des 7 astres grâce au miroir terni, bien sûr. Pas au miroir terni, au miroir des 7 astres. Des 7 astres qu'on a eu dans la vidéo précédente. Ensuite, pour avoir le symbole de Mars, il faut... Il faut aller... Alors, il faut aller au Mont Gagazet dans le... pas au Mont Gagazet, putain, je dis n'importe quoi. Il faut aller à Guadosalam, dans l'au-delà, pour trouver un coffre et prendre ce qu'il y a dedans. C'est le symbole de Mars. Pour le Sceau de Mars, c'est plus difficile, faut éviter 200 éclairs. Ça, on est d'accord pour le dire que c'est un peu la merde. Alors, le Longinus de Kimari, normalement, si vous l'avez fait, c'est assez simple. Il suffit d'aller pareil à la plaine foudroyée. Vous appuyez sur les stèles, vous appuyez sur carré quand vous êtes près des stèles de Pampa. Une fois que vous avez eu 3 stèles, vous redescendez dans le sud de la plaine. Il va y avoir un petit fantôme de Pampa, vous le suivez. Et quand il va s'arrêter vers une espèce de tour un peu en ruine, une tour paratonnerre un peu en ruine, et ben vous réappuyez sur carré à cet endroit-là. Et là, et ben vous avez l'arme qui apparaît normalement. Ensuite, le symbole de Jupiter, on l'a vu dans le let's play. Contre le dernier Simur, hein, quand on se bat contre lui, quand on continue un petit peu notre chemin, il y a un coffre, et ben le symbole de Jupiter est dedans. Donc vous pouvez retourner avec le vaisseau, hein, vous allez au Mont Gagazet, vous remontez tout en haut, et puis voilà. Pour le Sceau de Jupiter, il faut aller dans la forêt de Macalania, et il faut faire les petits mini-jeux à attraper les papillons. Alors c'est un peu long, mais c'est... facilement faisable. Franchement, ça c'est facilement faisable. Je l'ai fait assez vite. L'arme d'Oron maintenant. Bah voilà, elle est là, hein. Dégâts extra, overdrive x3, initiative et riposte. Alors, cette arme, elle est très puissante, hein. Et pour l'avoir, il faut aller sur la route des Mikorok. Purée, j'arrive pas à lire celui-là, hein. Je n'arrive pas à lire. Faut avoir, bien sûr, au préalable, avoir pris l'épée rouillée qu'on a vu dans le let's play, hein, de toute façon. Tout ça, on l'a vu dans le let's play, donc je vais pas vous redire où c'était, parce que déjà, je m'en rappelle plus. Et en plus, en regardant le let's play, vous pouvez voir où est l'épée rouillée.
Pour le symbole de Saturne, il faut... Bah normalement on l'a pris dans le let's play aussi, c'est dans un coffre sur la route, sur l'ancienne route de Mien. Et pour le sceau de Saturne, il faut terminer au moins 10 missions de quête de zone ou des espèces à l'arène des monstres. En gros, il faut avoir capturé tous les monstres de 10 zones pour pouvoir avoir bah, le sceau de Saturne. Une fois qu'on a ça, bah, on a toutes les armes et il suffit d'aller à Macalania et d'aller au petit rocher où qu'on a vu bah, dans la dernière vidéo, hein, dans l'avant-dernière vidéo, dans la vidéo avant celle-ci. Et d'appuyer tout simplement sur croix quand on est devant la petite pierre qui brille, là, enfin le gros rocher qui brille. Ça va vous demander de prendre une arme légendaire, d'insérer tel symbole ou tel sceau, et puis bah vous faites oui à chaque fois, et vous le faites à chaque arme, et pour chaque symbole et chaque sceau différent. Sur ce les amis, moi je vais vous laisser, et puis bah je vais vous dire, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à tous les liens de la description, hein, ça me fera plaisir, et puis ça permettra à vous de me suivre. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, pouce en l'air, tout ce que vous voulez. Ça me fera aussi également plaisir, et à partager aussi la vidéo. Ça m'aidera quand même à faire avancer pas mal la chaîne. Je vous remercie d'avance, les amis, de m'avoir suivi et tout, hein, tout ce que vous allez pouvoir faire pour m'aider à progresser. Je vous en remercie d'avance. Et puis, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!